Soda, snack ou plateau repas, c'est dans cette usine que sont préparés les chariots pour la vente à bord des vols Transavia. Ici, ce sont des robots aux bras articulés qui sont chargés de faire le tri et d'acheminer les commandes. Grâce à la digitalisation, à l'intégration de la donnée de la compagnie aérienne jusqu'à nos robots, jusqu'à notre ERP, on va être capable de contrôler ce qui a été consommé à bord, ce qui revient dans l'usine et de recharger ensuite. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données qu'on aura récupérées, on va faire un chargement neuf. Plus de 700 chariots sont préparés et envoyés chaque jour vers l'aéroport d'Orly. Cette transformation permet de limiter les erreurs dans les commandes et d'adapter les stocks. On va donner aujourd'hui à la compagnie aérienne toutes les données nécessaires sur les consommations des clients. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir justement axer ses produits et la mise en place de ces produits dans les trolleys pour maximiser ses ventes et ne pas avoir d'éléments inutiles non vendus. Prochain défi pour Newrest, l'installation de cette même unité dans le Val-de-Marne pour servir les compagnies ferroviaires comme la SNCF.